you gotta be what you are. Only thing I'm missing is a black guitar. I'm a rock star. Hey, baby, I'm a rock star. Hey, baby. Good job, Franca. Merci. La France, qui nous. Franck à gauche. Merci Franck. Grâce à toi, je peux venir demain au cours. Merci Franck. Bravo Franck. Bravo. Bravo. Et le premier kilomètre du tour de piste 10. Franck, qu'est-ce qu'il faut de la chance pour gagner un critérium? Voilà, ouais, la preuve aujourd'hui, hein, parce que quand on est malchanceux, on est vraiment très déçu. Et aujourd'hui, ça s'est passé à l'inverse pour moi. J'ai été vraiment dans un super wagon de corde, une course très rythmée, le record est battu. Ensuite, il a été courageux de l'entrée une droite au poteau, parce que mine de rien, on tape quand même les deux meilleurs de la génération, Aldo Deschamps et Aladin Descajol. Je refaisais du terrain, j'avais pas le passage, mais j'ai réussi à passer après la faute de Mathieu. Après sa dernière tentative, on se sentait plus confiant? Bah, serein, parce que moins de pression déjà. Finalement, il était passé un peu en 3-4e favori de toutes les courses qu'il avait à prévoir, quoi. Donc plus serein. Et puis le cheval est vraiment, en ce moment, à la saison de monte, il est vraiment très, très arrangé physiquement et très calme. Donc ça met des bons points pour l'avenir. Tu l'as comparé plusieurs fois à Vanika Duruel. On te l'a fait comparer à Vanika Duruel. Tu restes sur ta position, ça reste toujours un cheval qui a un moteur exceptionnel. Un cheval de classe, meilleur que la jument, mais la jument elle est partie loin déjà avec des gains peu ordinaires, donc c'est déjà une super craque. Lui il suit avec plus de classe, donc faut peut-être attendre et ça va être mieux. On a coutume de dire que le critérium des 4 ans c'est un passage un petit peu délicat pour les chevaux. Lui il le passe, est-ce que tu penses que c'est le futur bon de la génération? C'est une génération un peu, on va dire, pudding, il y a un peu de tout et je pense que c'est une très bonne génération. À côté de ça, il faut un peu de chance et puis il faut que les chevaux restent en bonne santé. Donc après on verra, déjà cette course-là est magnifique à savourer et on verra pour le reste. Eric, est-ce que ça s'est presque trop bien passé dans le critérium? Trop bien passé, oui. Oh, c'est un grand mot maintenant. J'ai un regret, c'est que quand aux zones du Castel à... commençait à fatiguer. À ma droite, il y avait le cheval de Joël devant les côtes, Athos des Elfes. Et donc, je suis sorti. Sortir, c'était bien, mais il aurait fallu que je calme le jeu. Et dès lors que j'ai envoyé, quoi, j'ai envoyé au 700, j'ai envoyé trop tôt. Donc, c'est le regret que j'ai. Autrement, la course, je peux pas. J'ai eu la bonne course. Mais je vous dis, si j'ai un regret, c'est quand j'ai décalé à deux, j'aurais dû temporiser au lieu d'envoyer. Jojo, troisième du critérium. Super. Super. Le parcours pas des mieux, mais il m'a bricolé un peu, bien sorti des starts, puis après il m'a embêté un petit peu, donc j'ai perdu ma place et puis après obligé de venir, quoi. Donc, mais après ça s'est pas trop mal passé dans l'ensemble. Oui, et puis il s'est montré tenace quand même jusqu'au bout et le chrono est fantastique. Le chrono est fantastique et il a fait voir qu'il avait une drôle de dureté, donc que du bonheur. J'aurais signé pour être troisième, donc c'est bien. Bravo Franck. Je sais pas si il fallait sur le podium ou quoi. Oui. Bah oui, on te monte à une amende. Jess, deux petits mots. Deux petits mots. Bien là, je mens. Elle sort de la piscine. Hein. Elle était faire une course en Belgique là. Parce qu'elle avait bien couru, mais j'avais un peu crevé. Non, la carrière n'est pas finie, ça c'est sûr. Ouais, il marche un super chrono. Ah bah oui, il marche 12, je suis 4e, je suis le premier des femelles, je crois. Avec Alésia, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier tournant? Bah, j'ai hésité à aller dans le dos d'Eric et ça faisait trop tôt, j'ai préféré attendre un peu. J'ai pris le dos de Joël, ça se goupillait bien et elle m'a échappé en sortie du virage. Je pense pas qu'elle en avait marre, peut-être qu'elle était un peu sur sa faim, mais je pense pas. On aurait pris un beau chèque, c'est décevant parce qu'elle n'est pas récompensée de ses efforts. Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé pour finir?
Il s'est passé que peut-être sur la fatigue, il m'a fait une faute. On allait très vite pendant le parcours. J'avais la mesure d'Aladin des Cajoles. Aladin des Cajoles, on sentait qu'il pouvait plus se relancer. Le mien, il venait bien dessus. En plus, quand il en a en point de mire. Après, Kim du Cap-Vert, il est venu assez vite entre nous deux. Et puis, j'ai peut-être pas laissé assez mon cheval partir à droite, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, il m'a fait la faute. Dommage, on était sur deux. Après, on avait le gaz encore pour venir gagner, parce que Hakim du Cap-Vert n'avait pas suffisamment la place sur le coup de se lancer. Donc voilà, je fais la faute, ça lui ouvre la porte et c'est lui qui gagne. Donc c'est toujours embêtant, mais bon, bah, c'est comme ça, c'est les courses. Yeah.